Cette First and First se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Unboxing. Aujourd'hui, on va ouvrir en fait 11 sachets de la nouvelle série 100 ans en fait, des Disney. Voilà, parce qu'en fait, j'en ai trouvé un brochure à 4 euros, certes. Mais bon, je voulais quand même la compléter. Et puis, vu que ça vient un peu de sortir, voilà, je voulais quand même, histoire d'avoir une petite vidéo. Ok, vous avez découvert du sachet, mais bon, c'est pas très... ouf quoi. Donc du coup je vais quand même vous montrer, je vais faire avec vous en fait, sans pause, ça peut être intéressant. Donc on va voir aussi si je me suis pas trompée en fait quand j'ai fait ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors j'aime pas ça quand les trucs ils sont... Ok, donc du coup on a la reine. Bon, c'est pas grave. Voilà. Parce que ça a été bloqué. Il y avait tout. Donc, du coup. Alors, on a donc la figue. Voilà, donc ça risque d'être un peu long puisqu'il y a quand même 11 sachets horaires. Mais voilà. Hein, voilà. Donc du coup, effectivement, la reine était bel et bon, la reine était bel et bien sur. Ah, alors attendez, parce que je sais plus dans quel sens. Oui, donc du coup là on a la série complète. Je vous la mets dans le fond. Voilà. Alors, oui, effectivement, on voit bien ici. Le rouge doit être vers l'intérieur. On a toujours les socles 100 ans. Donc ça c'est bien. Ça fait de la pièce collector, on va pas se mentir. Alors, par contre. Donc du coup on a deux couronnes. Et est-ce qu'elle a un tour de cou? Ah ouais, elle est bien censée avoir un tour de cou. D'accord. J'aurais pas dit. Hein. Bon, c'est dit. Ouais. Donc du coup, elle a deux, mais je suis censée en mettre qu'un. Donc ça veut dire qu'on a un tour de cou en plus. Donc ça c'est pas mal. Ah, deux tours de cou. Ah ouais, d'accord. Donc on a vraiment beaucoup. Non, c'est cool, pourquoi pas. Ouais, du coup je vais vous montrer. Enfin, vous voyez pas plus, mais. Hop. Là. Pardon pour le voir bien, parce que ma fenêtre en fait ouverte. Sinon, la vidéo ne supplanterait pas et plus aucune non plus. Jusqu'au 9 juin. Pourquoi au 9 juin? Je vous invite à aller jusqu'au 9 juin. Hop, et hop là. Voilà, donc du coup, la reine, la figurine en elle-même, du moins. Enfin, puisque, effectivement, il n'y a pas que ça, puisqu'on a aussi son fabuleux miroir avec la pièce topographiée et tout. Truc bien stylé. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, la première figurine, ça c'est cool. Hop, donc on a tout ça de pièces sup pour l'instant. Je vais faire un truc de pièces sup. Hein. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va faire un compte de pièces sup. En tout cas, pour l'instant, les pièces ont l'air d'être plutôt sympathiques. Donc, je suis content. Donc, du coup, on va voir un autre sachet. Si je fais 3 minutes par sachet, par contre, ça va pas le faire. Je vous le dis. Ouais, ok. Donc, parce que moi, j'ai un passif avec les capes. C'était ma cape, en fait, du Batman, première apparition dans la série DC, là, qui était coupé. Donc, ouais, bah, les capes, voilà. Donc, du coup... Alors, on a Pocahontas, qui, elle aussi, était sur ma liste. Ouais. Donc, elle aussi était sur ma liste. Donc, pour l'instant, on s'est pas trompé. Ah ouais, ouais, bon, écoutez, on va pas se mentir, il y a un peu rien à dire hein, sur une ouverture comme ça. Donc, ouais, elle a deux têtes pour Pocahontas. Deux têtes. Après, on verra ça lors de la review, hein, parce qu'effectivement, je fais pas ça pour rien. Hein, oh, les cheveux, par contre. Je ferai pas ça pour rien, hein, très clairement. Hein, je vous fais la vidéo, et après, je vous montrerai effectivement la review. Enfin, c'est juste pour vous faire attendre jusqu'à la review, effectivement. Donc, du coup, Pocahontas, c'était déjà un peu plus facile. On peut le constater. Voilà.
Encore une pièce sup, ça va vite. Ça va, ça fait vite. 2 minutes. Encore à battre. Ah, c'est vrai que j'y suis allée un peu fort. Stitch à 4 bras qui effectivement est aussi sur ma liste. Donc pour l'instant on s'est toujours pas trompé. Donc c'est bien. Donc Stitch, alors le moule, il fait toujours plaisir. Imprimé derrière et tout. Les 4 bras qui sont de retour. Effectivement, c'est vrai qu'on les a pas eu depuis longtemps, eux. Les 4 bras, puisqu'ils datent en fait d'une figue Star Wars, je crois. Qui avait 4 bras. Et c'était que là qu'on les avait eu, je crois. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que vraiment, genre, je peux mettre un pistolet là et un pistolet dans l'autre main. C'est trop bien. Non, franchement, alors, ce Stitch là, il est assez simple. Mais il fait le taf. Franchement, voilà. Super stylé. Hop, pas de pièce sup pour celui-là. Il y a un sachet. Alors celui-là, il a l'air d'être un petit peu plus rempli déjà. Je ne cherche pas à savoir c'est qui, mais bon. J'ai bien fait de m'arrêter. Jiminy Cricket, ok. Alors du coup, on a Jiminy Cricket. Qui pour l'instant aussi était sur ma liste. Il était aussi sur ma liste. Donc c'est toujours bien. Alors si vous trouvez que ça ressemble à une autre vidéo qui est sortie il y a 3 ans, pas chez moi, vraiment pas chez moi, c'est que vous regardez YouTube depuis très longtemps. Je dis ça, je dis rien. Alors, on n'est pas censé avoir un. Ah non, d'accord, ok. Pour moi, il y avait quelque chose derrière, comme une pièce de Joker, si vous voulez, du film Batman, là, mais pas du tout. Ok, pourquoi pas. Donc, en gros, c'est un triquet, pour ceux qui ne le savaient pas. Non, alors, ouais. Alors, il se peut qu'il y ait certains Disney que je ne sais pas leur nom. Il se peut, c'est totalement possible. C'est pour ça que je vous les montrerai seulement à la review. Voilà. Donc oui, j'arrête pas de me couper. C'est super. Super cette figue. Donc oui, je disais, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette ouverture, bah, écoutez, je vais vous parler des prochaines vidéos qui arrivent prochainement là. Sur la chaîne. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Mulan! Trop bien. Ok. Parce que en fait, au magasin, d'ailleurs, j'ai trouvé ça au champ à 4 euros. J'ai hésité parce que Mulan, j'avais peur. Pour moi, c'était Mulan parce que j'ai jamais trouvé de glaive. Mais c'est vrai que j'ai eu peur à un moment donné parce que pour moi, j'avais pas tâté Mulan au début. Et après, je l'ai tâté. Donc ouais. Parce, oui, bah, évidemment, j'ai tâté. Vous pensez bien, j'ai tâté. J'allais pas faire ça pour rien non plus. Du coup. Ah, d'accord, ok. Pourquoi pas. Ok, voilà. Donc, ça, ici. Et le glaive. Voilà. Donc, le glaive, Mulan est fait. Voilà. Franchement, les figues sont beaucoup trop super stylées. Ouais, beaucoup trop super stylées, carrément. Non, franchement, c'est beaucoup trop bien. Et là, on a beaucoup de pièces sup. Des fois, il n'y a pas de pièces sup. Des fois, il y en a beaucoup. C'est assez troublant. Donc, oui, je disais, donc, la prochaine vidéo, bah, le 9 juin, déjà, bon, normalement, elle est déjà sortie. Parce que, oh, je tourne cette vidéo. En fait, elle n'est pas encore sortie. Parce que je la tournerai en avance. Et du coup, cette vidéo-là sortira après. Effectivement. Mais, du coup, vous avez eu la Lego Room Tour. Alors, ah, oh, let's go. On a Pinocchio. On a Pinocchio. Alors. Faites un petit indice si vous voulez Pinocchio. Déjà, vous avez la tête comme ça avec le nez qui dépasse. Mais aussi, vous avez, pardon, vous avez eh bien, le bocal. Donc, ça veut dire qu'il y a deux têtes Lego. Et il y en a une qui a un petit nez. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez Pinocchio, il y a deux têtes. C'est tout ce qu'il faut dire. Oui, effectivement. Voilà, j'arrête pas de me couper. C'est génial. Je disais, effectivement, donc il y a la Lego Room Tour qui a été fait.
Il y a quoi d'autre? On a aussi effectivement du coup un tour de la ville qui a été fait dedans. Il me semble un tout petit, hein, vraiment j'ai pas fait un détail, j'ai juste survolé. Mais ouais. En gros, dites-vous que vous avez une vue d'ensemble à peu près de ma pièce dédiée au Lego dans cette vidéo-là. Donc si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo-là, bah, écoutez, je vous invite à aller la voir. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, non. Alors, pour l'instant, tous les personnages, même celui que je viens d'ouvrir, ils étaient sur la liste. Donc ça veut dire que je tâte bien. Ça c'est cool. Ça veut dire que je tâte bien. Alors. Donc la tête. Ah ok, la tête est direct dans les cheveux. Oh. Alors oui, aussi avec cette fille, c'est ça qui est bien. C'est que vous pouvez faire aussi un custom de Peach avec. Ouais, custom de Peach. Notamment déjà vous avez la couronne dorée au lieu de la blanche que j'avais mise pour mon custom, donc ça c'est bien, ça je vais modifier ça avec la pièce sup que vous voyez là, ça c'est cool. Et aussi vous avez la chouette. Alors par contre je sais plus d'où ça vient celui-ci. Par contre ça c'est cool. Voilà. Il nous reste 4 sachets au vrai. Hein, on est bientôt sur le début de la fin. Ouais, j'ouvre comme un bourrin parce que j'ai pas envie de défaire les cartes. Parce qu'il y en a beaucoup cette série-là. Oh, let's go! Alors, cette série-là, vraiment, c'est l'une des meilleures à mon sens. Peut-être parce que j'ai kiffé le film aussi. Mais, non, franchement, c'est l'un des meilleurs Disney à mon sens. C'est Les Nouveaux Héros avec la fille de Baymax. Alors, franchement, il est pas en mode Nouveau Héros, attention. Il est en mode Baymax. Donc, effectivement, Baymax, si vous le voulez, ce personnage, si vous voulez Baymax, ce qu'il faut faire, c'est trouver le torse. Et en fait, le torse, vous voyez déjà, hein, en gros, il a des bras plus gros. Et bah, ça se voit direct, en fait. Ça se sent direct. Et par conséquent, ça fait que vous sentez direct aussi où est le truc. Voilà. C'était la petite histoire. Quoi? Comment ça? Comment ça? Comment ça, on a des différents? Il n'y a pas de différence. Il y en a qui sont imprimés, il y en a qui sont pas imprimés. C'est bizarre. J'ai pas compris. Ok. Je clarifierai ça en review, mais bizarre. Ok. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Du coup, il a son overboard, effectivement. Baymax, il est pas mal. Non, franchement, j'aime beaucoup cette fille. C'est vrai qu'il paraît plus gros, rien qu'à l'œil, et ça, c'est bien. Alors, pour l'instant, on a que des figurines que je pensais avoir, donc ça, c'est bien. Alors. Pour le coup, il en reste 3. Il en reste 3. Et il m'en manque aussi 3. Donc, ok. Donc là, c'est là le moment de vérité pour voir si j'ai été bon. Sinon, j'appelle ça roi du tatage. Ouais, non, peut-être pas. Dieu du tatage, c'est pas Dieu, ouais. Parce que. Ouais, non, parce que roi du tatage, c'est Dieu déjà. Même youtubeur, hein, que ce que. Ah, ouais, vraiment. Même youtubeur que ce que vous avez vu tout à l'heure. Et. Oh, dommage. Alors, celui-là, je ne le montrerai pas. Du coup, parce qu'on a eu un double. Donc, c'est la reine. J'ai eu la reine du début. Celle-ci. Voilà, celle-ci en double. Donc, je ne le montrerai pas. J'ai fait tomber une pièce. Voilà. Mais donc, je ne le montrerai pas. C'est dommage, d'ailleurs, parce que j'ai défoncé un sachet. Mais, par contre, du coup, ça fait que je suis pas un roi du tatage. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Bon, encore un autre sachet. Je savais, c'était sûr que j'allais me bourrer à un moment donné. Voilà. Sinon, c'était trop beau. Ouais, sinon, j'aurais pu plus faire du plagiat. Trop bien. Alors. Oh, ok. Alors, ça, je suis content. Alors, elle n'était pas dedans. Néanmoins, j'ai pas de doute. Parce que là, on a eu Cruella. Alors, Cruella, j'étais sûr de l'avoir à un moment donné. Je sais pas pourquoi, j'ai dû la remplacer. Alors, du coup, Cruella, j'arrive
pas savoir si c'est sa version dessin animé ou si c'est sa version film. Parce que oui, si vous ne savez pas, il y a eu un film Cruella. Alors, Cruella. Alors, c'est vrai que la figue est super belle. Clairement, là-dessus, personne ne peut rien dire. La figue est beaucoup trop belle. Alors, ça va être un tour de cou ou alors. Ah, ok. Ouais, c'est une sorte de cape. Ouais, c'est ça. Ça va être une sorte de cape. Juste si. Ok. Ouais, donc l'imprimé est censé être par au-dessus. Non, parce que des fois l'imprimé est censé être en dessous, donc on sait jamais. Ok, ouais, donc c'est une espèce de surmanteau, quoi. Ok, non, franchement. Alors, pour l'instant, la figue est super quali. Juste, c'est vrai que ces pièces-là, c'est super chiant à mettre. Je déteste ce genre de pièces. C'est les pièces de tissu pour faire les capes. Quand les capes, ça passe, mais ça se plie des fois, et du coup, il faut la remettre. Mais non, franchement, les pièces de manteau, là, pff, trop chiant. Beaucoup trop chiant. Donc, du coup, Cruella, elle a deux expressions faciales. Ça reste très beau. Le Dalmatien, s'il te plaît. Le Dalmatien. Eh, grosse tuerie. Hein. La figue de Cruella, beaucoup trop bien. Franchement, j'adore. Super figue. Ah oui, évidemment, il y a l'épouvantail. J'ai oublié l'épouvantail. L'éventail, pardon. Voilà. Parce que, hop là. Voilà, maintenant elle est complète et on a l'éventail en double. Et enfin, là, le dernier sachet hein, qu'on pourra ouvrir. Vous êtes prêts? Pardon, je suis un peu pris du nez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Non. Déjà, il y a des trucs qui sont tombés, c'est pas pour en faire tomber l'autre. Ok. Du coup, on a eu le méchant du film La princesse et la grenouille. Ok, donc il n'y a qu'une expression faciale. Alors. Du coup, lui, il va être facile à monter. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux. Bah, Tiana et le méchant. Donc, ça, c'est bien. Je sais que c'est méchant parce que j'ai. Je me suis pas documenté, mais j'ai vu. Voilà. Du coup, on peut lui faire deux bâtons, ça c'est bien. Ouais. Ouais. Alors, ouais, pourquoi pas. Voilà. Un petit peu, du coup, le bâton. Ce bâton, du coup, qui est là. Voilà. Voilà les figues. Du coup, du méchant. Donc, bon. C'est pas mal, franchement, j'adore. La figue est pas mal, la carte elle est super stylée. On verra ça lors de la review de toute manière. Et on a beaucoup de pièces supplémentaires. Donc, en gros, si on devait retenir quelque chose de ce petit top boxing, c'est qu'on a eu le méchant de la princesse et la grenouille, Cruella, Bimax, c'est ça, une princesse, Pinocchio, Jiminy Cricket, Mulan. Pocahontas, Stitch et la reine mais super méchante en double. Donc, d'un côté, la reine super méchante en double, c'est bien d'un côté, puisque il y a des pièces sympas, donc je pourrais faire des customs avec potentiellement. Donc ouais, non, franchement, c'est un mal pour un bien. Alors, derrière, en fait, je devais avoir la reine de cœur, mais bah, visiblement, en fait, elle a été interchangée avec. Du coup, la pièce de robe de la princesse. Donc c'est pour ça, j'aurais dû peut-être plus tâter, il est vrai. Non, franchement, du coup, ça fait que je me suis trompé sur 1. Et donc, pour l'instant, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce que oui, j'ai eu Robin des Bois entre-temps aussi, avec ma vidéo en Angleterre. Je vous invite là-bas. Mais ouais, non, franchement. Voilà un petit peu ce que j'ai de cette série là pour l'instant. C'est pas dégueu, ça veut dire que j'ai 11 fioles et donc il m'en manque 7. Non, franchement, je suis plutôt content de ce que j'ai. Puis en plus, ça m'a permis de faire une petite vidéo comme ça avec vous, tranquille, pas prise de tête, voilà, juste
Les petites figues, voilà qu'on ouvre comme ça. Aussi, j'ai récupéré la boîte, faut le savoir. Ça, j'ai récupéré la boîte. En gros, j'ai pris la plus vide et j'ai en tâtant, en fait, j'ai enlevé les sachets que j'avais pas besoin. Et c'est vrai que j'ai pas Mickey Magicien. Attendez, il manque une figue ou c'est comment? Ouais, bah non. Ah, c'est bizarre, il manque une figue, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il manque une figue. Attendez. Ouais, non, ok. Je sais pas avec quoi j'ai interchangé. Ok, c'est. Non, c'est bizarre. D'accord. Bon, bah écoutez. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire sur cette vidéo? À Auchan, elle est à 4 euros. Dites-moi si potentiellement vous avez trouvé aussi. Une fois que je refais le post-commentaire, effectivement. Si vous avez trouvé votre série, vous, à moins cher dans d'autres magasins. Potentiellement pour ça peut m'intéresser, intéresser à d'autres personnes. Et voilà, donc ouais, bah c'est à peu près tout au final pour cette petite vidéo Lego unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé une fois que j'aurai fait le post commentaire. Et voilà, bah du coup, c'était ça, je ne ferai plus. Qui vous dit bye bye!